Que la paix, si possible, soit sur vous. Je dis si possible car de toute évidence, je pense que les tenants du néocolonialisme, les dirigeants français et leur ahuri service de renseignement français, membres de la DGSI ou de la DGSE, ainsi que leur caniche à la tête de nos États, j'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de source sûre, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Je sais que vous vivez une période difficile, parce que le colon et ses caniches ont fait leur plan, Dieu a fait ses plans, et Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous briser, vous avez fait l'erreur de vouloir nous humilier, vous avez fait l'erreur de penser nous stopper. Mais la mission que nous portons est une mission qui traverse les générations. C'est une mission dans l'optique de l'autodétermination. C'est une mission qui vise à honorer nos ancêtres méritants. C'est une mission qui vise à libérer notre population sur le continent africain et dans la diaspora. J'ai en souvenir le message d'un policier, le discours, les propos d'un policier lorsque j'étais arrêté avec le bras tordu à une arrestation violente, qui me disait alors, monsieur Seba, c'est vous qui voulez être le président du Bénin? Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que Patrice Talon? Et je lui ai répondu, depuis quand un membre de la DGSI se préoccupe du sort du président actuel du Bénin, à moins que le président actuel du Bénin soit votre collègue? Comprenez de quoi je parle. Et je lui ai dit, vous riez aujourd'hui, vous ne rirez pas dans quelques temps. Vous riez parce que vous pensez que vous allez me mettre à l'ombre longtemps. Mais vous n'êtes pas dans les plans de ceux qui nous ont mis sur ce chemin. Et ceux qui nous ont mis sur ce chemin, ce sont nos aïeux. C'est eux que nous avons dans notre ADN. C'est pour eux que nous nous battons. C'est pour la justice, la rectitude et l'élévation que nous nous battons. Je suis un Béninois de la lignée, de la descendance politique des Béansins. Et notre peuple en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Kanaky, à La Réunion, notre peuple qui souffre, partout il est installé. Nous allons nous battre à Haïti aussi. Nous allons nous battre pour le libérer. Nations Unies derrière, vous voyez, un petit discours va être prononcé et vous allez vous en souvenir toute votre vie. Rendez-vous est pris. Avec Emmy Seba et Eri Djéhouti, debout et plus fort que jamais. Plus fort que jamais.